Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? On va faire du... Ça fait longtemps, un petit gauntlet. On va se faire un petit gauntlet. Cassie, t'es pour les Ravens, toi. Meskin. C'est quoi un gauntlet? Bah, tu vas voir, tout simplement. En fait, c'est un mode de mini-jeu. Voilà, tu fais plein de petits mini-jeux et tu dois passer des niveaux, en fait. C'est un mode qu'ils ont rajouté il y a 2 ou 3 ans. Et qui est assez sympathique, en fait, je trouve. En plus, surtout pour les nouveaux, je trouve, ça permet d'apprendre un peu les touches, certaines tactiques et tout. Donc là, par exemple, là, tu vois, le but, c'était que je passe la première tentative. Donc là, j'ai gagné. Donc là, je dois faire ma passe au receveur. Rond. Voilà. C'est bon. C'est complété. Donc là, tu vois, il faut lire. Là, il faut juste que je marque. C'est tout. Voilà, tranquille. C'est juste des petits mini-jeux comme ça sympathique. Il y a des trucs un peu what the fuck, tu verras aussi. Run the stick pass concept, ok. Là, faut juste que je complète ma passe. Donc là, voilà, X est tout seul. C'est assez simple, hein, c'est pas très très dur. Donc là, faut que je marque en restant dans dans les limites, en fait. Putain de merde. Ok. Ah, oh, Miskin, le truc de ouf. Voilà, faut juste que je mette un field goal. Voilà, c'est pas dur. Ah non, c'est un fake que je dois. C'est le fake que je dois réussir là. Bon, c'est pas très dur, tu vois. Mais c'est assez marrant. Là, faut juste que je plaque mon adversaire. Voilà. Et ça prend un peu les touches, en fait, c'est cool. Là, il faut juste que je passe dans le carré. Ok. Et tu vois, là, il me reste 6 vies, par exemple. Oh. Non. Ok. Pff, fallait que je l'arrête avant la ligne. J'ai reste 85. Non, 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 c'est pas assez. Wow. C'est parce que t'es un supporter des Fortinet, c'est pour ça. C'est pour ça. Tu sais, il a jamais eu trop de release non plus. C'était pas le receveur qui avait plus de release. C'est plus un receveur, tu vois, qui a beaucoup de retrunning, qui faisait ses tracés vraiment très bien, qui avait surtout des super mains. Mais c'était pas un joueur, tu vois, comme Rouleau qui va taper un release de ouf ou comme Demaryius Thomas, tu vois. Des receveurs grands qui. Ok, bon, j'ai été invité pour la finale. Ah non, c'est bon, ok. C'est bon, il y a eu le résultat, cool. Attends, là, faut pas que je rentre dans les zones, c'est ça? Ou faut que je rentre dedans? Ok. Fallait pas que je rentre dedans! Fallait pas que je rentre dedans. Allez. Bloquez-moi ça, les. Les mecs! Oh! Ok. Ok. Ok, run the black chain, ok. Ok. Le portable est tombé. Salut Bazmog. Faut juste que j'ai le first là. Ok, ça passe. Putain, niveau 12, je crois que c'est mon record. J'ai tellement pas joué cette année. Ok. Ok, ça faut le mettre juste dans le. Oh, j'ai tellement chié. Oh, j'ai tellement chié, mon bunt. Allez, roule, roule en touche, s'il te plaît. Ok, ah non, fallait juste que ça tombe dedans, c'est bon. Oh. Faut que je passe juste dans les 3 ronds là. Ok. Oh, c'était facile en fait, c'était facile. Jump sur score. Attends, donc ça, si je le réussis, je passe 3 niveaux d'un coup. Et si je perds, je baisse 2 niveaux. Ok.
Mais ils sont géants! Attends, complete pass for the first round before the time run out. Ok. Faut que je complète ma passe et tout. Et pour un first round en plus. Fallait pas que je cours! Mais putain, je suis un TV! Voilà, faut juste que je mette un touchdown. Ok. Ah, mais quel teubé! Mais quel teubé! Mais quel teubé! Voilà, faut juste que je marque. Oh! Il me reste quoi, 4 vies? Bon, ça va. Bon, ok. Ah, du coup, putain, je dois me leur taper les boules. Bon, ça va, c'est vraiment pas le plus dur celui-là. C'est vraiment pas le plus dur, ok. Alors, là, je gagne une vie si je réussis ce challenge, ok. Putain, il m'a gêné ce con. Ok. Ok, là, je dois juste mettre un gros plaquage, c'est simple. Voilà. Ensuite, make a first on the play, ok. C'est chaud! Ok, je dois juste faire du scramble là. Ok. Ok, là on gagne 3 niveaux ou on en perd 3. Attends, là faut juste que je le plaque. C'était trop simple! Allez. Ce serait cool que j'arrive au boss final. Ce serait bien drôle. Bon, qu'est-ce qu'ils ont commenté sur Facebook, les gens là? Abuser aucune fierté à gagner comme ça. Ah, ça y est, les gens sont dégoûtés. Alors, complete the level concept for a first down and first down. Ok. Putain, j'aurais eu le seum, il lâche son ballon. Ok, là je veux juste faire le plaquage, c'est tout, c'est pas très dur. Ah, il part à droite ou à gauche? Il part à gauche. Ok, nice. Et niveau 25, ok. Oh. Ok. Je dois marquer un touchdown sans passer dans les petits trous. Oh putain, c'est vraiment de la merde. Ah putain, mais j'avais juste allé tout droit. C'est trop dur. Putain, il est dur celui-là, je l'ai jamais passé. Non, mais je suis teubé, mais putain. Il doit y avoir une petite astuce, forcément, mais... Attendez, on va attendre là un petit peu, histoire de voir. Ok. On va essayer de les avoir comme ça. Voilà, je savais qu'il y avait une astuce. Oh. Non! Il m'a fait peur! Il m'a fait peur, le 56! Putain, c'est Fowler, c'est enculé, putain. On va les attendre un peu, on les amène à droite, on fait le demi-tour, on accélère le petit tour. Je fais que de la merde. Ouais, je vais y aller en mode bourrin, nique sa mère. De toute façon, il me reste qu'une vie là, ouais, c'est ça. Oh non, mais en fait, très mauvaise idée. Oui. 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 Mais non, mais je savais pas où aller. Parce que si j'allais à droite, le terrain était tellement petit que j'avais peur de rater, du coup je suis reparti dans l'autre sens comme un connard. Willie Moon always ready. Willie Moon always ready. Willie Moon always ready. Willie Moon always ready. Mo City, man.